Nous
j'entends Alléluia. Seigneur, t'es bien fait, t'es bien fait, ton t'es béni. Nous te remercions, nous te remercions. Merci Seigneur. Chantez, adorez.
et clamons pour la prière. Seigneur, Dieu de tout saint, Dieu d'amour de mes pères, Dieu qui veut nous tenir, parce que mon père, je vais lever ma voix vers toi, je te remercie, parce que c'est toi Dieu qui a initié encore cette rencontre. Je veux s'attendre une bonne rencontre, je oh Dieu tout puissant, merci parce que Seigneur, tu as mobilisé encore une église, l'église de Dieu d'Abidjan. Vous verrez encore, oui, saluer leurs frères ici à Tonga. Et nous avons profité aussi de l'occasion, Seigneur, de voir encore nos frères et sœurs qui savent qu'elles perdent quelque chose. Et nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour dire merci. Merci au Seigneur. Merci pour tout ce que Seigneur tu as fait. Amen. Et maintenant, Père, nous t'avons loué, nous t'avons chanté. Il ne reste plus que le Seigneur a écouté ta parole. Ta parole qui est pleine de sagesse. Qui est pleine de, ô Père éternel, de prédiction. Bénis celui encore qui viendra, Seigneur. Ô Père éternel, nous annoncer cette nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle, ce message dans lequel nous sommes. Ce message qui va nous conduire à la fin de la nuit. Père éternel, merci. Amen. Parce que Seigneur, je vais prier. Amen. Amen. Et acclamons très fort le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Grande ce matin, parce que ta grâce nous a levés, ô Dieu, afin que nous demeurions, en ta présence. Viens, bénis ta parole, ô Dieu, arrose nos âmes de ton onction, Seigneur vivifiant, et laisse que, ô Dieu, le Seigneur nous te soyons toujours. Jusqu'au bout. Amen. 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 Voilà, sans plus tarder, nous prendrons la Sainte Écriture dans Matthieu 38. Et nous lirons les versets 38, 39 et jusqu'au 41. Alors je lis la lecture dans Matthieu 10, 38. C'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est lui qui conservera sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. La deuxième écriture dans Éphésiens, chapitre 1er. Déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Puisse le Seigneur ajouter ses grâces et ses riches bénédictions à sa parole pour le bien de nos âmes, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous rasseoir. Oh, je salue tous mes bien-aimés, tous les bien-aimés. Je ne peux pas citer tous les noms,
Amen. Mais à commencer par notre papa Paul Guadio. Il y a ce côté Beglou Nitiama. Et Boulet jusqu'à Zéba Serge. Et voilà. Et tous ceux qui ont constitué ce comité. Alléluia. Et aussi de l'église de Boda. Notre pasteur Zéba Marcel et Alexis, Honoré, Timothée, Belmado, Bertin, etc., etc. Je ne peux pas citer tous vos noms et toutes les sœurs. Alléluia. Voilà, j'ai un peu les noms ici. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons été accueilli, reçu, jamais oublié. Car c'est cela de reconnaître, alléluia, le temps dans lequel nous sommes. Et il dit, si l'on reçoit un des plus petits à cause de mon nom, en lui donnant même un verre d'eau. Cette récompense-là, cette récompense-là, ne leur sera jamais oubliée. Acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur. Parce que nous amassons une grande récompense là-haut. Ayant connu par la révélation ce que Dieu est en train de faire. Et le Seigneur le dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et regardez, comme nous le disions hier soir, la seule voie pour une parfaite adoration. Accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus disait, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et nous voyons que c'est par révélation que nous sommes conduits, que le peuple de Dieu est conduit. Alléluia, comme Abraham a été conduit sur la terre. Abraham, lui, le seul vrai Dieu. De le connaître et de l'adorer en esprit dans la vérité. Parce que Abraham était tout acquis pour son Dieu. Et à une heure chaude du midi, de l'après-midi, il était là sous le ciel. Sous un grand arbre. Et il reçut la visite de trois personnes qui vinrent vers lui. Et comme Abraham a toujours marché par révélation, il a reconnu que Dieu est en train de le visiter. Et qu'il y a un au milieu d'eux qui est l'Élohim. Et au devant d'eux, cet ange du Seigneur. Il l'a adoré. Abraham en disant, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Abraham a reçu. Abraham, et l'ayant reçu, Abraham a reçu plus de grâce et de bénédiction. Dieu lui-même vient à la semence d'Abraham. Si nous sommes enfants d'Abraham, Dieu nous rencontrera. Dieu viendra à notre secours. Il remplira notre besoin. Il s'est transformé notre besoin. Alléluia, en vue de sa gloire.
Amen. Et Abraham attendait un fils. Abraham promis. Et ce fils, c'est au fin de perpétuer l'adoration. Alléluia. 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 Abraham fut béni. Abraham d'avoir mangé, soupé avec Elohim. Et Jésus disait, vous voyez que Jésus, alléluia, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Mais Abraham a vu Elohim dans une forme corporelle. Alléluia. Et Jésus a dit, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Jésus a dit, Abraham vient hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, les enfants de Dieu sont conduits par révélation. Et la Bible nous dit, pour nous qui croyons, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui se rattache à cet appel. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Alléluia. Oh, nous voyons la veuve à Sarepta. Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta en Sidon. J'ai ordonné une veuve là-bas de te nourrir. Et frère Branham de dire, oh là là, en Israël ne trouva même pas un seul lieu de repos. Quelle doit être donc la vertu de cette femme à recevoir son prophète Élie? Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te recevoir. Alors que Élie est connu par sa rigueur sur les femmes et leur manière de marcher. Élie n'est vraiment à mon dernier talon, vraiment yekoklo. Alléluia. Et besoin ota bien you. Amen. Nous savons comment il a traité de Jézabel. Alléluia. Il y a quoi là, Jézabel ni? De tous les noms et à solliciter la colère de Dieu. Mais il a été montré que cette veuve, alléluia, a reçu, vous voyez, Élie. Et elle est l'épouse de Jésus-Christ. Voilà, de l'église aujourd'hui qui est son corps et qui reçoit, alléluia, le message du temps de la fin. Amen. Et elle a reçu par révélation. Elle aussi, la voix de Dieu est venue vers elle et a prêté son cœur à recevoir Élie. Alléluia. La Bible nous dit, cela n'est destiné qu'aux fils et aux filles du royaume. Et voici ce que la parole dit, la parole est sortie. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot
ne manquera point. Et poto vieneye. Et lui qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Amen. Voici la récompense. Vous voyez, de prophètes. Mais ça, les prophètes, nous attachons. Vous voyez, aux grâces et aux bénédictions les plus élevées qui soient. À mon nom, pour nous nous attachons aux promesses. Ou à l'inné, le watao. Oh, les plus élevées qui soient. Et Paul dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La farine ne diminuera point. Et l'huile non plus. Alléluia. Et nous savons l'héritage qui nous a été laissé. Toi, ne y a tout con. Pour avoir reçu le prophète de Dieu. Ne ouzi a wa le moune o gen ne wa pe. Oh, démunis de tout. Ne non toke ta ouvre. Rejeté par les dénominations. Ne mou popo wa pipo. Nous marchons comme une veuve. Ou tana lene a tien tene. Et la veuve, elle n'a point de mari, c'est-à-dire point d'autre chef. A ti que tel mune ese ya e wala kuite kete. Car la dénomination pour nous est morte. Mona okone bon bibi ou kali. Il n'y a plus pour nous. Vous voyez, notre ancien mari est mort. Ou si nous ke a kete. Alléluia. Le monde est mort. La tradition est morte. C'est Christ qui règne à nous. Jésus-Christ, voici la condition dans laquelle nous devons être pour afin de recevoir Élie. Si vous vous rattachez à un franc, à un Coleman, à qui un qui que ce soit, vous n'êtes pas veuve. Ou que Franklin, ou que Coleman Lini, ou que Coneban, ou que ta Lénéon. Il faut désirer avoir pour chef, pour autorité suprême, le message du temps de la fin. Rien que le message du temps de la fin. Ou au moune yé ou la, message n'est lié. Vraiment, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas un pape. Ou un pape. Nous n'avons pas un cardinal. Ou un cardinal. Nous n'avons pas de tradition d'église. Ou un monnaie. Ou un l'église. Tout à l'heure, je méditais un peu. Je suis tombé sur. Alors, je voyais derrière les gens prenant des rameaux en train de. Voilà, de marcher ici et là, et mes yeux sont tombés sur Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, vous pouvez noter simplement et le lire à la maison. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel, c'est lui. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel, Dieu montrait à Ézéchiel les traditions, vous voyez, d'occultisme. Il y a qui Ézéchiel, mais. Babylonienne. Babylone, Wallet. Introduite dans, vous voyez, en Israël, comme cela a été introduite dans l'église romaine. Babylone, il y a au 4e siècle. Ils adorent ici le dieu Tammuz, qui est le dieu Adonai. Adonis plutôt. Voilà. Ils adoraient donc le dieu Tammuz, qui est le dieu soleil. Alléluia. Alléluia. Et ils ont institué 25. Alors le verset
le verset 16 vous montre qu'ils ont institué 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Le visage à l'Orient et se prosternant à l'Orient devant le soleil. Le Dieu Adonis, le Dieu babylonien, qui est, vous voyez, dans, les Sidoniens adorent le Dieu Tammuz. Voilà, c'est le même Dieu Soleil. Et 25 hommes. Et nous trouvons que, vous voyez, c'est cela, pendant que l'on appelle le solstice d'hiver, c'est-à-dire le soleil s'éloignant de la terre. Vous comprenez, et ils adorent, oh, le soleil, ne nous abandonne pas, reviens. Alors ils vont et ils prennent des rameaux, des arbres, ils coupent les rameaux. Et au verset 17, il a dit, voici, ils approchent le rameau de leur nez. Ézéchiel 17. Ézéchiel. Et vers la fin du verset 17, voici, ils approchent le rameau de leur nez. Et puis, un peu plus haut, vous trouvez à la fin du verset 11 qu'il prenait ses rameaux et il brûlait cela et il mettait dans l'encensoir à la main et s'élevait une épaisse nuée d'encens, l'encens. Voilà les cendres. Et ils prenaient cela et ils mettaient comme tatouage sur leur front. Exactement les mêmes pratiques babyloniennes. Amen. Ce sont des pratiques d'occultisme. Au caliban. Oh, alléluia, l'adoration du Dieu Soleil. Je vais parler. Et ceci. Dans Jérémie, le prophète Jérémie dénonçait cela. Jérémie, qui est Jérémie bien pépé? Où les enfants, les pères envoient les enfants acheter prendre du fagot de bois, revenir, et les femmes de les allumer. Non, t'es nos pères, il y a nos pères, ou y'a. En ce qu'on appelle les feux de camp. Et là, il s'élevait donc des feux de camp. Et ils adorent le soleil. Reviens à la nature. Alléluia. Nous trouvons que cela, tout ce qui se passe dans les traditions religieuses, ont été concoctés, vous voyez, des pratiques d'occultisme. C'est cela, mes frères. C'est pourquoi la première condition, c'est de perdre ce mari-là. Dans chapitre 7, il a dit, oui, tant que votre mari est vivant, ainsi qu'elle est là, vous ne pouvez avoir droit à un autre, à une autre union. Alléluia. Amen. Aussi pour nous. Amen. Sur le bois du calvaire, tandis que Christ mourait. Amen. Nous avons nous aussi perdu notre ancien mari. Ou l'église est une femme. L'église est et sa matrice doit être disposée à une seule semence.
Une femme qui reçoit deux semences à la fois est appelée adultère. Quelqu'un ne peut pas dire je suis à 50% du message. Je prends un peu du prophète et puis ensuite je prends aussi de quelqu'un d'autre. Nous trouvons là l'épreuve de la compromission. Ça va. Alléluia. Il viendra sur ce monde pour éprouver les habitants de la terre. Et nous jouons un mou faucon. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, puisque tu gardes mon nom, comme ni mon tonnéon est ta vain. Et la parole de la persévérance, Sungo est dit pour mon wodino y est ta vain. Moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde entier. Et tous adoreront la bête. Sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Si votre nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, Jésus-Christ est mort. Alléluia. Alors il a dit que mes élus ne seront point séduits. Acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, parce que vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Immolé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Nous vivons un grave enjeu maintenant dans le message. Et les gens pensent que c'est de la rigolade. Non. Oh, nous avons quitté le monde et les traditions du monde. Ensuite, nous avons quitté les dénominations religieuses. Maintenant, dans ce message, des gens désirent encore organiser ce message et avoir encore un pape, un cardinal ici, un ceci, cela. Moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Non! C'est l'épreuve, la tentation qui vient. Parce que Satan s'est fait ange de lumière. Satan, et nous, on y est pas con. Il va se rapprocher plus de la vérité. Le diable n'est plus dans les bois sacrés. Il n'est plus chez les marabouts là-bas. Mais le diable entre dans l'église. C'est là qu'il veut essayer de séduire le maximum de personnes. Et notre matrice doit être rattachée à un seul mari. Notre mari, c'est Jésus-Christ. La parole, la semence qui est venue de Paul n'était pas de Paul. Et il y en a qui ont dit, Paul y a plein, et qui est à Paul du monde. Mais de Christ. Mais il y a Jésus-Christ. Ce sont les amis de l'époux. Jésus-Christ m'entend à mon et il dit, va dire à mon épouse, je t'envoie dire cette commission. Voilà la commission que tu reçois. Il a confiance en son ami. Parce qu'il ne va pas en faire une dénomination. Il ne va pas détourner sa femme. Autrefois, les rois utilisaient les eunuques, des hommes castrés, eunuques, pour garder les épouses. Et un eunuque n'a pas de sémence. Il ne peut rien transmettre à la femme. Alléluia. Amen. Pour qu'il engendre un autre enfant. Et lui. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ce sont les enfants nés du sang du roi. Qui viendront à la naissance. Donc il s'assure que le nuit son ami n'a pas de semence. On l'a castré. Alléluia. Alléluia. Et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Il dit, moi l'ami de l'époux. Oh, je suis heureux d'entendre la voix de l'époux. Il reçoit la voix de l'époux. Et il transmet cette voix. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit. Et il transmet cette voix. Alléluia. Celui sur qui tu verras descendre l'esprit. C'est lui. Alléluia. Qui est le Christ. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage. Qu'il est l'agneau de Dieu. Qui porte le péché du monde. Allez vers lui. Allez vers lui. Alléluia. Que moi je diminue. Nous ne faisons pas une organisation. Et je ne jette pas mes pensées dans cette affaire. Alléluia. Pas plus, frère Branham n'a injecté ses pensées dans cette affaire. Et à frère Branham, il fut dire, l'Élie qui prépare son second retour, comme Jean-Baptiste préparait son premier et son premier, sa première venue. Alléluia. Amen. Oh, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Gloire au Seigneur. Et l'épreuve qui vient. C'est essayer de nous rattacher à un autre homme. C'est essayer de nous rattacher à une autre doctrine, à un autre enseignement. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Christ. Quelle foi allons-nous développer si nous mélangeons les choses? La foi que nous ne comprenons pas exactement ce qu'a dit l'Élie selon Malachie 4:5-6. C'est cela le Seigneur dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. En qualité, il a souligné cela, il a exigé cela. Il a dit, je suis du message. Mais quel message? La parole parlée est la semence originelle. Amen. C'est pourquoi cet homme a été authentifié par Dieu. La colonne de feu l'a suivi partout. Pour ne pas qu'il injecte ses propres pensées. Alléluia. Dieu a veillé sur William Branham. Et quand il a fini, il a rappelé à lui rapidement. Alléluia. Alléluia. Quand il parlait sur les sept choses,
jusqu'à arriver au tonnerre. Néye, cette soupe. Anewa po, cette soupe. Néya, les blés. Amen. L'ange lui a dit, ah, c'est tonnerre. Stop. Arrête-toi là. Ne va plus au-delà de ça. L'ange qui a dit, anewa po, c'est tonnerre. C'est fini. Akeni. Atei kakpon. Naya, koukou. Alléluia. Alléluia. Ne jette plus tes pensées. C'est fini. Amen. Amen. Un jour, il a dit, oh, si Dieu le permet, nous parlerons de cette coupe, de cette fléau, de cette tonnerre, etc. Cette coupe, cette fléau, il n'a jamais prêché sur ça. Dieu l'a enlevé en même temps. Alléluia. 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 Amen. Comment vient-il aujourd'hui que des gens disent les sept tonnerres sont révélés, les sept tonnerres ont été révélés, etc., etc. D'où vient que maintenant nous avons tout ça? L'Élie, selon Malachie 4:5-6, a montré l'exactitude de cela. Il a dit, ceci est en accord avec la date, le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Point. Personne ne connaît cela. Alléluia. Et des gens jubilent, les gens disent, non, c'est révélé. Mais frère Branham est revenu encore pour révéler ça ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus spirituels que Branham. Quand vous lisez le septième sceau, il dit non, ce n'est même pas été révélé, ça n'a pas été ouvert, etc. Vous voyez la tentation, la séduction qui vient. Pour, parce que si quelqu'un ajoute, ou si quelqu'un retranche, sa part lui sera retranchée. C'est pourquoi il a été dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Exactement ce que j'ai reçu dans mon âge. Il recevra aussi une récompense de prophète. Et nous savons que si vous prenez cela avec exactitude, à l'instar là-bas de la veuve de Sarepta, qui ne manqua jamais d'huile et de farine, alors que toutes les nations alentour mouraient de faim. Alléluia. Nous aussi, nous ne manquerons de rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été montré que le Saint-Esprit qui typifie, dont l'huile typifie, alléluia, ne manquera point. Et la farine qui typifie la parole ne manquera pas. La parole nous sera toujours accordée dans son exactitude. Parce que nous n'avons jamais rien voulu ajouter ni retrancher. La récompense de prophète nous sera donnée de sorte que nous vivons toujours. Nous vivons. Quelles que soient les épreuves. Au devant de la famine.
même ma au devant de la sécheresse. Même non popo y a quelqu'un bon. Alléluia. Oh, nous mangerons. Ou mabé. Alléluia. Amen. Et nous boirons. Ou crème mabé. Ou n'est-il pas merveilleux? Alléluia. Amen. Maintenant, j'avance un tout petit peu et je terminerai s'il y a encore quelques interventions. Alléluia. Jésus a dit, je suis le pain de Dieu. Jésus, y a zéni, il me connaît un boulou. Je suis l'eau de vie. Me connaît mon di. Je suis le pain descendu du ciel. Me connaît mon boulou né in wan no doké. Celui qui me mange n'aura plus faim. Et celui qui boit mon sang n'aura plus soif. Il dit, ma chair est une nourriture. Et mon sang est un breuvage. Cela est venu de manger la chair du Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La parole révélée pour notre âge. C'est cela, oh, de manger à cette chair et de boire de son sang. Qu'est-ce que c'est? La parole est venue à nous. Alléluia. Comme un aliment. Comme un breuvage. Et ceci nous donne la force de résister contre l'enfer. Alléluia. Contre chaque démon de l'enfer. Contre l'apostasie qui frappe, oh, les âmes des hommes. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons sonder ceci. Regardez. Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, selon Jean 7, 37. Et qu'il boit. Maintenant, si nous avons reçu le prophète, regardez ce qui va se passer. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Des fleuves. Alléluia. Des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, chez vous, il n'y aura jamais de soif ni de sécheresse. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il dit de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Zuno, quel est-il? Jésus-Christ, quel est Dieu? Alléluia. C'est-à-dire, il n'avait pas encore été crucifié. Enterré, enseveli et ressuscité. Il faut qu'il soit crucifié. Et nous voyons le type. Et l'ombre de cela dans le désert. Dans Nombre chapitre 20, le verset 7. Nombre 20. Dieu dit à Moïse. Prends ta verge. Moïse. Alléluia. Cette verge par laquelle tu as délivré Israël. La puissance de Dieu s'y trouve. Et il dit, oh, premièrement, vous frapperez au rocher. Alléluia. Ceci typifie la crucifixion de Jésus-Christ.
Konene wa seyu ku segban. Le rocher frappé. Wane on otuane. Alléluia. Car dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, il a été dit, il buvait à un rocher spirituel qui le suivait. Amen. Et ce rocher était Christ. Amen. La Bible nous dit, il buvait à un rocher qui le suivait. Alléluia. Mais alléluia. Oh, les enfants de Dieu ne sont pas seuls. Oh, pour les nous, ok, t'as dit. Il y a quelque chose qui nous suit. Oh, non, mais t'as oublié. Pas à pas. Mais il faut oublier. Il regarde depuis l'oreille. Mais on est au rêve. Il continue avec persévérance. Avancer vers Canaan. Dans les difficultés, ils ont leur cœur attaché au Seigneur. Ils se retournent, voici encore projeté. Alléluia. 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 Et Dieu de dire à Moïse, prends ta verge. Ce rocher qui vous suit, c'est ma théophanie. Alléluia. C'est la préfigure de Christ. Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Prends ta verge et frappe le rocher. Alléluia. Et il en sortira l'eau. En abondance. Alléluia. Amen. Et savez-vous que dans les hommes, dans les types, partout vous trouvez la trace de Jésus-Christ suivant son peuple. Daniel l'a rencontré. Dans la colonne de feu, dans la fosse au lion. C'est trois amis de Daniel, on l'a rencontré dans la fournaise. Au jour, Jésus-Christ était présent. Jésus-Christ est venu. Il suit chaque adorateur. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, il est avec nous. Alléluia. Il nous suit. Il est avec nous. Il dit, je suis Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel. Oh, alléluia. Alléluia. Et il dit, frappe au rocher. Finalement, les hommes se sont attrapés de Christ et l'ont pendu sur le bois du calvaire. Mais ce n'était pas la verge de Moïse. Car personne ne peut oser prendre, vous voyez, le Fils de Dieu. Non, 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 ce n'est pas possible. Si ce n'était d'accomplir la parole elle-même, ce n'était pas la verge de Moïse. Alléluia. Amen. Qui est la manifestation de la parole. La puissance de la parole. Alléluia. Amen. Et là, l'eau et l'essence sont sortis de son côté. Un côté, son côté fut transversé. Alléluia. Amen. Amen. Le rocher est appelé maintenant le rocher frappé. Alléluia. Alléluia. Ce rocher a reçu une frappe. Alléluia. Regardez. La Bible nous dit, dans le désert, il y eut cette fente du rocher. Le frappé. Regardez la puissance de la parole sur un caillou. Un bois sur un caillou.
Qu'est-ce qui devait l'emporter? C'était le caillou. Mais il s'est laissé frapper. Blessé. Alors que c'est le bâton qui devait s'envoler avec là. Mais c'est plutôt le caillou, le rocher qui reçut une fente, une blessure. Ce rocher est appelé le rocher frappé. Alléluia. Dieu est appelé le Dieu frappé. Oh, ou de Jésus-Christ. Alléluia, mon roi fut frappé. Et roi, le roi des rois. Il s'est laissé frapper. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est laissé crucifier. Et vous dites, est-ce le Seigneur de gloire? Oui. C'est lui le Dieu de gloire. Amen. Qui fut frappé sur le bois du calvaire. Jéhovah mourut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Amen. Jéhovah mourut. Jéhovah. Mon Dieu mourut. Alléluia. Alléluia. C'est la folie de la prédication de la croix. Ceci, la religion n'accepte pas et les juifs n'ont pas accepté ça. Mais la Bible nous dit qu'il mourut quant à sa chair. Est rendu vivant par l'esprit. Oh, est-ce que car l'esprit ne peut mourir. Mais il utilisa une offrande, un corps de chair. Mais elle libère. Et cette chair mourut. Les loin est calé. Pour qu'aujourd'hui tu sois fils du royaume. Alléluia. Maintenant, là où nous lisons dans Nombre 20, le verset 7, il n'est plus question de frapper encore au rocher. Il dit, parle, vous parlerez au rocher. En